Donc on va commencer le l'attaque de Luce, de l'UCE, l'UCE, ouais. Là on commence par la première mission là. Donc là ça va. Hey, you know what the first rule of hitting an armored freight train is? Know where you gotta look once you on board. This ain't a yard sale, y'all. We don't got no time for no needle in the haystack bullshit. Now this train is going to the docks, which means there's gonna be a shipping manifest down there somewhere. And that should give us the serial number for the crate with the ECU. Head to the cargo ship and see if you can find it. Here's the location. Ok, c'est bon. On va attaquer le milieu ferroviaire. Parce qu'on est des thugs. Ouais, donc GTA, on attaque à peu près tous les domaines. Hein. Ça, c'est cool. Voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps, les trains. Ouais, c'était dans le mode histoire, d'ailleurs, je crois. Ah, mais non. Là, c'est le cargo, là. C'est après le train. C'est la fin. Enfin, peut-être après, je sais pas. C'est une autre mission, mais... je vais peut-être me poser là, là. Sur... On va gagner du temps. Ah, la flemme. J'ai la flemme de monter les escaliers, là. Oh, oh, attends, 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 c'est quoi ce délire, là? Putain, je vais... Ah! Quel con. Ah, je fais n'importe quoi, là, mais... C'est parce que c'est nouveau. Du coup, je suis tellement pressé que à la fin, je fais n'importe quoi. Là, j'aurais dû monter les escaliers, c'était peut-être plus rapide. Elle m'a envoyé un message, mais je sais pas ce qu'elle m'a envoyé, donc... Bon, je cherche encore le... Mince. Ah, comment ça s'appelle, là? Le machin, là. Mince. Le manifeste. Il est où ce truc? Je sais même pas à quoi ça ressemble. Hein. Et j'espère qu'ils vont pas dégommer. Qu'ils vont pas de... Ah! Qu'ils vont pas ne... Ah! Putain, mais j'ai plus parlé là. J'espère qu'ils vont pas me dégommer là avec l'hélico. Ah tiens, c'est peut-être là. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, il a fait une petite chute. Hein. Bon, j'envoie la photo à Cessanta. Photo envoyée. Qu'est-ce qu'elle va me demander maintenant? Là, je suis contente. Ok, donc là maintenant il va falloir chercher une meuleuse industrielle à l'avant du bateau. Et ben on va aller à l'avant du bateau. C'est parti. On va jouer les Yamakasi. Ouh là là. Je savais que c'était une connerie. J'ai fait une petite connerie. Non mais c'est qu'en fait, il y a une putain de latence. Entre le moment où j'appuie sur A et le mec déclenche son parachute, il se passe une ou deux secondes. Ça c'est la mort assurée. Donc c'est bon, j'ai trouvé. Non, ah, faut le choper en fait. Ah, mais faut. Ah, faut appuyer sur la flèche. Ah, c'est bien ça, ça ajoute du réalisme. C'est bien. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas besoin de faire ça. Avant, tu passais devant, tu chopais. T'avais pas de bras, tu chopais le truc quand même. Maintenant, il faut des bras. T'avais pas de bras, pas de meuleuse, hein.
Ouais, mais moi aussi je prends un buggy là. Un 4x4 buggy là. Oh. Bon, je vais prendre un écho, c'est mieux. Parce que là, hey, me faire tirer dessus par. I just want to make sure y'all understand what we about here. Well, I mean, first of all, we about making all kinds of money. But apart from that, it's about being who we are, driving what we want to drive, hitting what the fuck we want to hit. You got my outside perspective, your street knowledge, and Susanta's know-how. There ain't no stopping us. You ready to shake this bitch up or what? Good. Now get back to it. La meuleuse est arrivée. J'ai votre meuleuse, madame. Reading that shit'll blow your mind. Bon, ben voilà. Voilà, c'était pas plus con que ça. Hein. 3 morts et une meuleuse. Et on est bon. What up, though? I heard y'all making some progress on that ECU. Good shit. Bring me that R&D, baby. Yes, Sabiche. Sabiche? Ok. Je connaissais pas ce... Allez, à suivre, hein, bien sûr. Salut, abonne-toi.